Oui, en fait, on va dire que 2024, c'est ta première vraie saison en championnat de France sidecar de course en compétition sur piste. Mais en fait, tu viens du sidecar de rallye routier. Tu peux me le confirmer, ça ou pas? Alors oui, exactement, j'ai commencé le side en rallye routier en 2015-2016 jusqu'à environ 2019 avec mon père. En fait, à partir de 2019-2020, tu franchis le pas parce que tu es un grand copain de César Chanal et c'est lui qui t'aide à franchir le pas pour passer sur le sidecar de piste. Voilà, c'est ça. Alors on roulait déjà en rallye routier ensemble. Lui a ensuite franchi le pas sur le F2 et en le suivant, il nous a fait découvrir le F2 et on a franchi un cap aussi en lui rachetant son ancien châssis. Par contre, là où tu as commencé à vraiment dévoiler ton véritable jeu, c'est que Sam Gash Racing est venu et t'a proposé de mettre à disposition un châssis pour toi. Voilà, alors un jour Sam Gash m'a proposé de rouler avec son châssis et sans hésiter, on a sauté dessus. Ok, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est il suit le développement de votre, il suit votre développement et il développe son châssis selon vos désiderata, c'est ça? Alors le châssis était déjà très abouti. Nous, on a simplement mis la mécanique dedans et on l'a mis à notre main au fur et à mesure, beaucoup roulé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive bien à s'en débrouiller sur le championnat. Par contre, ton châssis est équipé avec des motos, avec des moteurs Honda. Tu peux me le confirmer, ça ou pas? Alors oui, on roule depuis cette année à Honda. Honda CBR, donc anciennement des Moto 2, qu'on a pu récupérer. Quand le MotoGP Moto 2 est passé des moteurs Honda à Triumph. Donc à ce moment-là, il y a eu beaucoup de moteurs mis en vente libre et c'est comme ça qu'on a pu en récupérer. Quels sont vos projets pour 2025? Alors 2025, on ne repartira pas sur une saison complète Superbike. Pour le moment, c'est ce qu'on a prévu. Et on va aussi essayer d'aller faire deux ou trois courses à l'étranger. Sur d'autres championnats pour voir ce qui se passe là-bas, l'ambiance, les niveaux divers. Quand tu parles de championnat externe, en fait, tu parles du 100 Southern, qui est une course en Irlande du Nord, c'est ça? Alors, entre autres, il y a cette course, il peut y avoir aussi Cadwell, il peut y avoir aussi des courses comme Chimay. Pour l'instant, on n'est pas encore bien précis, on n'est pas encore bien précis là-dessus. Mais tout ça, il y a une idée derrière la tête pour donc ce serait éventuellement le Tourist Trophy pour 2026. Alors effectivement, il y a une idée de Tourist Trophy qui se prépare. On ne sait pas quand encore et uniquement quand on sera prêt et si ça nous plaît encore. Très bien, je te remercie beaucoup, Loïc. Merci cybermotard.com.